Place d'armes de la garde républicaine de Trècheville ce jeudi. Double cérémonie de remise du drapeau et de passation de commandement. Le lieutenant-colonel Fofana Mamadou Norosotier quitte la tête du groupement 1. Il est nommé commandant en second du 3e bataillon d'infanterie de Boaké. Il est remplacé par le chef de bataillon Idriss Koulibaly. Devant officiers, sous-officiers et militaires du rang du groupement 1 de la garde républicaine, le commandant Idriss Koulibaly s'est adressé à Touré Sékou, chef d'état-major adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire, représentant le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko et à toute la hiérarchie militaire. Il promet œuvrer à la consolidation d'une armée au travail, soucieuse du bien-être des populations et de créer une véritable synergie au sein du groupement qu'il dirige pour les batailles futures. La discipline faisant la force principale des armées, je serai intraitable et intransigeant sur la question. Je veux que nous soyons de vrais professionnels de la sécurité. Recevant le drapeau ivoirien des mains du lieutenant-colonel Kwao Amichia Edouard, le tout nouveau chef de corps s'engage à en prendre soin. Anciennement chef du bureau des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, le commandant Idriss Koulibaly devient ainsi le 14e chef de corps du groupement 1 de la garde républicaine de Trècheville.